Théodore, je cherchais. Je voulais que tu racontes le banquet chez Agathon. Je sais qu'il y avait Socrate, Alcibiade et d'autres encore. Je sais qu'on y a parlé de l'amour. Le banquet d'Agathon? Oui, un banquet d'amour. C'est bien cela. On m'en a déjà parlé. Mais rien de précis. En tout cas, on m'a dit que toi, tu savais ce qui s'y était passé. Et puis Socrate est ton ami. Donc à toi de nous raconter ce qu'il a fait. D'abord, y étais-tu, toi, à ce banquet? Je vois que tu n'es pas très bien informé. Si tu crois que j'ai pu y assister, moi, à ce banquet. Tu sais bien que cela fait longtemps qu'Agathon a quitté Athènes. Ah oui, c'est vrai. Et tu sais aussi que moi, je ne suis avec Socrate que depuis 3 ans. Mais Socrate m'a révélé toute mon ignorance. Il m'a vraiment fait naître. D'ailleurs, il est le fils d'une sage-femme, et comme sa mère, il s'est accouché. Mais lui, ce sont les âmes qui l'accouchent. Il a le talent pour en faire sortir la meilleure part. Depuis 3 ans que je vis auprès de Socrate, j'ai compris que la philosophie était la chose dans la vie la plus importante. Parler de philosophie fait ma joie, sans compter que c'est très utile, surtout pour toi. Écoute! Écoute, nous étions encore bien jeunes, mon cher Glaucon. C'était le lendemain du jour où Agathon a remporté le prix pour sa première tragédie. Il fallait célébrer cette victoire. Cela fait bien longtemps, en effet. Mais si toi tu n'y as pas assisté, qui t'a raconté ce qui s'était passé? C'est Aristodème. Le connaissais-tu? Retire ton instrument de là, vieille folle. Un homme petit, toujours nu-pied. Il était fou de Socrate. Lui, il se trouvait au banquet et il me l'a raconté. C'est beau le soleil couchant. Oui, c'est beau. Pourquoi tu pris ces plumes? Je les ai volées à ta sœur. Ce soir-là, Aristodème a rencontré Socrate dans la rue. Socrate s'était lavé et il avait mis des sandales, ce qui n'arrivait pas souvent. Aristodème a voulu savoir où il allait. Mais je te vois dans mon chapeau, c'est ridicule. Pourquoi tu t'énerves? Socrate lui répondit qu'il se rendait au banquet d'Agathon et qu'il s'était fait beau parce qu'il se rendait chez un beau garçon. Et voilà qu'il demande à Aristodème de l'accompagner au banquet, bien qu'il ne soit pas invité. Aristodème était un peu gêné. Et bien Socrate lui a dit qu'il trouvait une bonne raison en chemin. C'était une belle nuit, fraîche et délicieuse. Ah, Aristodème. Eh bien, tu arrives à point. Tu vas se dîner avec nous? Moi? Ah, avec plaisir, mais... Quoi? Tu es venu pour autre chose? Eh bien, remets cela plus tard. Figure-toi qu'il y a un homme, je te fais chercher pour t'inviter. Dis-moi, Aristodème, comment se fait-il, toi qui passes tout ton temps avec Socrate, que vous ne soyez pas ensemble? Oh, j'étais encore avec lui il y a un instant. En fait, c'est lui qui m'a invité à venir ce soir. Nous marchions et puis il m'a dit d'aller en avant, qu'il me rejoindrait. Je me demande moi aussi où il peut bien être. Aristodème, installe-toi où tu veux. Je peux? Je t'en prie. Qui m'a fait une petite place pour m'asseoir? Non, j'attends quelqu'un. Viens ici, mon petit Aristodème. Mais faites de la place, voyons. Vous allez rester là longtemps à nous encombrer? Esclave, mets-toi en quête de Socrate et amène-le vite. J'y vais. Non, pas toi. Tu restes à la maison. Agathon, arrête ton esclave. Laisse Socrate tranquille. C'est une habitude qu'il a. Dans n'importe quelle circonstance, il peut se retirer. Je t'ai permis de prendre ma place comme un couple. Et rester là immobile à réfléchir. Ne le dérange pas. Il finira bien par nous rejoindre. Agathon, on a faim. À manger. À manger. À manger! Allez, servez-nous. Et apportez ce que vous voudrez. Ce soir est somptueux. Et surtout, faites comme s'il n'y avait personne ici pour vous commander. Nous sommes vos invités. Et toi, apporte les plumes à ma sœur. Va. Ce n'était pas la première fois, semble-t-il, qu'Aristodème se faisait ainsi inviter. Souffrant.
Quant à Socrate, ça lui arrivait souvent de s'absorber dans ses pensées puis de rester immobile pendant des heures. Il pouvait tenir comme ça jusqu'au lendemain matin. Et Socrate n'est pas vu au banquet? C'est pas ce qu'on m'a dit. Mais oui, écoute. Ah. Salut. Socrate, c'est moi le médecin. Tu as vieilli, Socrate. Oh, Aristophane, tu as jeûné de jour en jour. Socrate, enfin te voilà. Tu n'as pas des poulpes? Non, je regrette. Eh ben. Doucement. Alors, main. Socrate, mon ami. Salut Agathon, Socrate il est venu. Socrate, viens t'asseoir à côté de moi. Tu m'as touché, je suis sûr que les sages pensées qui sont en toi vont couler jusqu'en moi. Agathon, s'il suffisait que deux hommes se touchent pour que l'esprit de l'un aille dans celui de l'autre, comme on transvase de l'eau dans une coupe vide avec un brin de laine, ah, alors ce serait différent. Et ta place. Si c'était pareil pour la sagesse, alors j'en profiterais. Parce que ma sagesse à moi est un peu vide. Je me demande même si c'est un rêve. Quelle est-ce que ta sagesse à toi? On était 30 000 Grecs à la voir hier. À contempler son éclat. Alors, remplis-moi de ta sagesse. Tu es toujours plein d'insolence, Socrate. Nous mettrons cette question de sagesse au clair. Dans un petit moment, toi et moi. Et en ayant pour juste Dionysos. Alors, prêt. Tu es prêt? À présent, pense à dîner. Tu es chez moi. Tu sais que tu cours bien. Alors, tu disais donc que Socrate était allongé près d'Agathon et qu'ils ont mangé. Mais ensuite... Ben, comme d'habitude. Bonjour. Alors, on a distribué des couronnes. On a fait des libations à Zeus et aux dieux. On a chanté l'hymne sacré. Puis après, il y a des esclaves qui ont amené un immense cratère de vin. On a rempli les coupes des convives. Et puis tout le monde s'est mis à boire. Socrate, lui, n'est jamais sous, même lorsqu'il boit. Les Romains sont en train de nous quitter. Lui est parti depuis longtemps. Le vieux s'endort. Et lui, il est triste parce que son ami n'est pas venu. Hein? Alors, vous êtes tous d'accord? Oui. Bien. Puisque nous sommes tous d'accord sur ce fait que personne ici ce soir ne se forcera à boire plus qu'il n'en a envie, je propose de renvoyer cette joueuse de flûte, qu'elle aille jouer dans la maison avec les femmes, ou toute seule. Nous allons parler. Sur quel sujet, me direz-vous? Écoutez. D'abord, pour citer Euripide, ce n'est point de moi ce que je dis, mais de Phèdre, ici présent. Phèdre m'a souvent fait remarquer qu'il trouvait inadmissible que presque tous les dieux aient été célébrés par les poètes les plus fameux, et qu'aucun d'entre ces poètes n'ait jamais rien composé à la gloire de l'amour, un dieu pourtant si digne d'être vénéré et si puissant. Sur ce point, je pense que Phèdre a raison. Alors, je voudrais... faire une offrande à l'amour et lui rendre un réel hommage. Ne serait-ce pas une bonne idée si nous nous mettions à faire la louange de l'amour? Chacun à notre tour, en allant de gauche à droite, nous pourrions faire à notre façon cette louange. Et Phèdre serait le premier à parler puisqu'il est en quelque sorte le père de cette noble idée. Oui, tu as raison, Eric Simac. Moi, je ne connais que l'amour. Et... encore plus, Pausanias et Agathon. Je ne parle pas d'Aristophane, lui. Il ne jure que par Aphrodite et Dionysios, le dieu du vin et de la bouteille. Et je trouve que ta proposition n'est pas juste, parce que si tous les orateurs ont tout dit de l'amour quand ça arrive à moi qui suis dans les derniers, ben, je n'ouvrirai pas la bouche.
en attendant que Phèdre commence à la grâce de l'amour. En effet, Socrate a été le dernier à parler de l'amour. Il ne compte pas sur moi pour te répéter exactement ce que chacun des orateurs a dit. D'ailleurs, Aristodème ne s'en rappelait plus quand il me l'a raconté, puis moi, je ne me souviens pas de tout. Enfin, l'essentiel, je vais te le dire. Vas-y, raconte. Sachez donc que l'amour est une divinité merveilleuse, admirée des dieux comme des hommes. Car l'amour appartient au commencement du monde. Et il n'a ni père, ni mère. Il parle d'amour. Ah, c'est moi l'amour. C'est moi l'amour. L'amour est la source des plus grands biens pour l'homme. Dites-moi, y a-t-il un bien plus grand pour un jeune homme que d'avoir un amoureux loyal et dévoué? Car si les hommes veulent vivre honnêtement, il leur faut bien un principe sur lequel se guider. Eh bien, c'est l'amour. Mieux que la famille, les honneurs ou la richesse, qui peut leur faire sentir le bonheur d'être juste et la honte de mal agir. Très bien, fils. Un jeune homme, combattant aux côtés de son amoureux, pourrait-il supporter de se montrer lâche devant lui? Non. Il préférerait mourir mille fois que de subir une telle honte. Vous voyez, même l'homme le plus lâche, l'amour peut en faire un héros. Imaginez-vous ce que cela donnerait s'il s'agissait de toute une armée. Et puis, seuls les amants veulent mourir l'un pour l'autre. Les femmes autant que les hommes. Alceste, par exemple. Les dieux ont condamné son époux à mourir, mais elle les a priés de prendre sa propre vie à la place. Ce dévouement a eu sa récompense. Les dieux ont accordé à Alceste la grâce qu'il refuse à tout autre. Ils l'ont fait revenir du royaume des morts. Ah, ce n'est pas comme on l'aurait fait. Fou de douleur après la mort d'Eurydice, il a voulu la retrouver. Mais il n'a pas eu le courage de mourir pour la rejoindre. Il a cherché par tous les moyens à entrer vivant dans le royaume des morts. C'est pourquoi, après lui avoir montré le fantôme de son Eurydice, les dieux l'ont renvoyé chez lui. Plus tard, ils l'ont puni de sa lâcheté en le faisant mettre à mort par des femmes. Et le plus bel amour est celui d'Achille. Achille savait que s'il vengeait la mort de son ami Patrocle, il mourrait aussitôt après. Il savait aussi que s'il renonçait à sa vengeance, il connaîtrait le bonheur de retourner dans sa patrie, qu'il vivrait une longue et belle vie. Mais Achille, le plus jeune et le plus beau des Grecs, Achille, l'aimé de Patrocle, n'a pas hésité un instant. Il a vengé son amant, mais il est mort sur son corps. Les dieux ont admiré la force de son courage. La preuve, ils l'ont conduit sur l'île des bienheureux pour qu'il vive une bonne mort éternelle. Vous voyez combien les dieux admirent l'affection de l'aimé pour son amoureux. Et je dirais pour finir qu'amour est le plus grand et le plus célébré des dieux. Il s'est inspiré aux hommes le goût de la vertu durant toute leur vie et après leur mort. Mange, Socrate, tu as trop bu. Donne-moi quelques figues, des grosses. Voilà. Fred était assez beau garçon alors. À l'époque du banquet, il n'était pas plus vieux que celui-là, mais... Je suis pas vieux, moi. Son enthousiasme pour l'amour le rendait un peu naïf.
Pourtant, il avait raison. Prends l'exemple de nos cités. Ne serait-ce pas une bonne chose que le courage de notre armée soit entretenu par l'amour? Un jour, peut-être, nous verrons se former une telle armée d'amants, soudés par l'affection de l'amoureux pour son aimé, capable de vaincre le monde entier. Ça fait 5. Après celui de Phèdre, il y a eu d'autres discours, mais Aristodème s'en souvenait mal. On n'en a pas parlé. Alors il est venu au discours de Pausanias. Phèdre, le sujet qui nous est proposé, à mon sens, n'est pas bien posé. On nous invite à faire l'éloge de l'amour. Voilà qui conviendrait s'il n'existait qu'une seule forme d'amour. Mais en fait, il y en a deux. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez sans doute que l'amour est au service de la beauté. Mais la beauté n'est pas unique, puisqu'il y a deux déesses de beauté. Songez-y. La première déesse est une fille du ciel. Elle est glorieuse. Ah! Tu peux pas t'arrêter un peu? Non, je sais ce que je fais. La première déesse est une fille du ciel. Elle est glorieuse et noble. Mais l'autre, c'est la beauté charnelle. Engendrée par Zeus, unie à une mortelle. C'est une toute jeune déesse, impatiente et sans pudeur. S'il y a deux beautés, il y a donc deux amours, l'un ordinaire, l'autre divin. À présent, écoutez, c'est de l'amour divin que je vais vous faire l'éloge. Tu sais, je ne me rappelle plus très bien les détails de ce discours. Ouais, je pense qu'Aristodème avait déjà abrégé. En tout cas, voilà. Merci. Voilà le résumé du discours de Pausanias, amoureux d'Agathon. Il disait qu'il y a deux sortes d'amour, puisqu'il y a deux Aphrodites, deux formes de beauté. La première, le premier amour, s'attache à la beauté charnelle. C'est le plus vulgaire, le plus répandu. Il s'intéresse au corps, et autant aux femmes qu'aux garçons. Mais d'après Pausanias, il y a une autre sorte d'amour. L'amour de la beauté céleste, c'est l'amour noble. Il recherche le mâle, parce qu'ils ont plus de vigueur et plus d'intelligence que les femmes. Toujours d'après Pausanias, l'amoureux veut partager l'existence du garçon qu'il aime. Il veut le former, l'éduquer, mais sans abuser de sa jeunesse, mesdames. Malheureusement, il y en a certains qui ne savent pas se retenir. Et puis on se retrouve poursuivi par des vieilles avec des bâtons. Mais pourquoi tu me dis ça à moi? Des filles? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ils sont au moins une dizaine, pas encore ivres. Dis-moi, t'es fort. Je le sais, je suis fort et méchant et on m'enchaîne tous les jours. Allez, venez nous revoir. Très joli discours, Pausanias. Ce soir, Gaston. Pas d'orgie ce soir, on parle de choses importantes. Allez, on s'en va, les filles. On s'en va, Julie. Allez, allez. Pausanias, j'en veux bien une femme, moi. Pas ce soir. C'est vrai, ce genre d'amour est aussi la meilleure des garanties de notre liberté. Regardez ce qui se passe loin de chez nous. Bravo. Chez les barbares. Là, où l'amour entre hommes est considéré comme honteux, et bien la philosophie et l'amour du sport sont aussi mal vus. Théanos. Et savez-vous pourquoi toutes ces choses sont interdites? C'est pour préserver la puissance des tyrans. Quand cette intimité existe entre des hommes, elle engendre le courage. Tais-toi, Théanos, tu parleras comme ça. Tantôt. Le goût de la liberté. Et le terrain, Aristophane. Et elle fait tomber les tyrans. Mais que arrive-t-il? As-tu trop mangé? Eurysimac, fais ce c'est mon roquet, ou bien parle à ma place. Et en plus, j'ai
des poutres devant la barbe. Pour ton cas, j'ai une prescription. Empêche-toi de respirer ou gargarise-toi avec de l'eau. Ah, si tu ne peux pas, chatouille-toi le nez pour te faire éternuer, et après deux ou trois fois, ce sera terminé. Pour l'époux, je ne peux malheureusement rien pour toi. Je suis d'accord avec Pausanias, il y a bien deux formes d'amour. Mais l'art que je pratique, la médecine m'a permis d'observer que l'amour ne règne pas seulement sur l'âme de ces hommes qui désirent les garçons, car l'amour existe aussi chez tous les autres animaux, dans les plantes et dans l'univers entier. Pour évoquer devant vous la puissance de l'amour, je commencerai par la médecine et je rendrai ainsi hommage au métier que j'exerce. C'est maintenant que tu mets les couronnes. Va. Demain, tu auras pas un coup de fouet. Dommage, je sens belle. C'est une soirée très agitée. Ah ! Le corps humain renferme ces deux formes d'amour. En effet, les parties saines de l'organisme aiment et désirent certaines choses, tandis que les parties malades en aiment et en désirent d'autres. Qu'est-ce qu'un bon médecin ? C'est celui qui favorise et fortifie les parties saines et qui sait résister aux désirs des parties malades. Vous voyez donc que la médecine consiste à connaître les désirs du corps et à servir les bons pour neutraliser les mauvais. Car le médecin peut extirper du corps les désirs qui lui sont nocifs et les remplacer par d'autres plus propices. Vous voyez donc que le bon praticien doit être capable de rendre amis les éléments du corps qui sont le plus hostiles entre eux parce que... Enterre ce chat au pied du figuier. Par exemple... Qui parle ? C'est Eric Simac. D'où est la mère ? Cet amour, cette harmonie entre les éléments du corps, c'est Esculape, le premier qui a su l'établir. Il est donc à ce titre le fondateur de la médecine. C'est sage, Eric Simac. Bon, vous voyez donc que la médecine est entièrement gouvernée par l'amour. Et c'est pareil pour la musique, pour peu qu'on y réfléchisse. Ainsi, qu'est-ce que l'harmonie ? C'est la... Et ta sœur, Agathe ? Donne-moi voir. Qu'est-ce que tu fais là ? Je passe à Maï. Je t'ai fait faire un très beau salon. Il y a la joueuse de flûte. Vas-y. Vas-y. Fais attention à toi, Agathon. Visage d'olive pourri. C'est pas très gentil pour ton frère, ça. Ainsi, qu'est-ce que l'harmonie ? Dehors ! Je suis là, ici ! Sortez ! Sortez ! Et le rythme, c'est l'équilibre établi de durées différentes. La musique, comme la médecine, n'est que la science de l'amour capable de recréer le rythme et l'harmonie. Vous voyez donc la puissance de l'amour. Après la violence, après l'inquiétude, il ramène le calme dans le corps ou dans l'âme. Il déchaîne et apaise la tempête. Quelle merveille! C'est la première fois que je vois un oiseau comme ça. Je me demande si c'est un mâle. Et alors? Le quai d'Aristophane avait enfin cessé. Le Pausanias a mutassé, il avait changé de place et s'était installé sur la même couchette que Phèdre. De l'autre côté, Agathon ne cessait de regarder vers eux. Toute la foule du banquet semblait gênée et semblait craindre que la tempête n'éclate bientôt. En tout cas, Eric Simac continue à parler. Toi aussi tu as des poux comme lui ? Hein ? Par l'affrontement des contraires, l'amour rétablit la paix et crée sans cesse la vie. Ainsi, lorsque le bon amour mélange les éléments du monde, leur harmonie constitue le cycle des saisons de l'année. Et l'amour apporte alors aux hommes la santé, la prospérité et un climat radieux. Mais débordements et désordres se produisent parfois parmi les éléments. Et l'amour apporte alors la maladie, les pestes et les gelées.
Un tel défaut de proportion est temporaire et nécessaire. Tu sais, c'est l'amour. Elle n'est pas de lui, elle est de moi. Le ramène vite à la mesure. Mais tu es méchant. Pourquoi tu nous as laissé partir? Moi, j'ai dit à Pausanias que je voulais une femme. Dis donc, qu'est-ce qui rase Agathon? C'est moi. Ah, oh, bravo. Ah, il est bien rasé, Agathon. Hein. Il va chercher des instruments. Tu sais que tu es encore belle, toi. Hein? J'ai une peur horrible de me faire raser, mais c'est quand même mieux que les poux, non? Hein? Tu es belle. Moi aussi, je suis encore belle. Oui. Tu te souviens de cette comédie d'Aristophane, c'est nuées. Vous le voyez, on dénommé Socrate, soulevé dans une corbeille, le nez dans les nuages, essayant de scruter la vérité du soleil. Eh bien, cette calomnie contre Socrate, Aristophane avait créé toute pièce et le peuple entier l'a suivi. Ça, c'est de l'amour vulgaire. Mon amour. Apollodore. Non, il ne supporte pas que Socrate s'intéresse à tout ce qu'il voit autour de lui pour en connaître la vérité. Non. Non, le soir du banquet, Aristophane s'était pas encore fait l'accusateur de Socrate. Non, ce soir-là, il a inventé autre chose. Et, tu sais, cette histoire de petits êtres ronds, fils de la terre, de la lune, du soleil, qui existaient au tout début du monde. Eh bien voilà, tu es beau. Oh. C'est merveilleux, tu as gagné 10 ans. C'est un miracle. Dis donc, je suis moins bien rasé qu'Agathon, non? Le Netflix est très bon pour les coupures. Vous voyez comme est grande et même universelle la puissance de l'amour. Aristophane ! T'arrives ? On ne nous attend pas, on va passer la nuit ensemble. Aristophane ! T'arrives ! L'amour crée notre monde et il crée notre corps. Qui fait ça, monsieur ? Qui fait ? Tu as la peau d'un bébé. L'amour nous incite à vivre en harmonie avec les dieux et avec les hommes. Voilà, j'ai fini. Dans mon éloge de l'amour, j'ai dû oublier bien des choses, mais je ne l'ai pas fait exprès. Oreximaque, je vais parler dans un tout autre sens que vous ne l'avez fait, Pausanias et toi. Parce que moi, j'ai l'impression que les hommes ne se rendent vraiment pas compte de ce qu'est la puissance de l'amour. Sinon, il lui consacrerait des temples grandioses, des hôtels magnifiques, de somptueux sacrifices. Moi, je vais vous révéler le pouvoir de l'amour, le plus grand ami de l'homme. Mais d'abord, je vous dirai ce qu'est la nature humaine et combien elle est différente de ce qu'elle était autrefois. À l'origine, la race humaine était divisée en trois genres. Le mâle, enfant du soleil. La femelle, enfant de la terre et l'androgyne, enfant de la lune. Mâle et femelle réunis, qui n'existent plus aujourd'hui. Ces êtres avaient la forme d'une boule, le dos et les côtés tout ronds, comme leurs parents. Ils avaient quatre mains, quatre jambes et deux sexes placés en bas du dos. Et deux visages tout à fait semblables sur une seule tête. Ils pouvaient marcher droit. Se déplacer en faisant la roue. Ah ! Que je ne ferai pas ce soir. Toute leur partie interne était donc en double ? Ils avaient tout en double. Mais si leurs deux visages étaient placés comme tu dis, ils ne pouvaient jamais se voir. Mais ils n'en avaient pas besoin. Ils formaient une totalité séparée de l'amour le plus fort. En fait, ces êtres étaient d'une puissance et d'une vigueur immense. Leur démesure les incita même à monter jusqu'au ciel pour y combattre les dieux. Ils ont osé s'en prendre aux dieux. Laisse-le parler. Il est joli, Aristophane, sans barbe. Zeus décida de les combattre. Mais comment? Il ne pouvait faire disparaître la race humaine. Parce qu'en même temps, aurait disparu pour lui les offrandes des mortels. Mais que l'arrogance de ces êtres était intolérable. Et alors? Tu n'as pas le droit de parler. Alors, Zeus crut trouver le moyen de conserver la race des hommes tout en la corrigeant de son insolence. Voilà ce qu'il dit aux autres dieux. J'ai décidé de couper
chaque être humain en deux. Comme cela, ils seront deux fois plus faibles et deux fois plus nombreux pour nous honorer. À partir de maintenant, ils n'auront plus que deux jambes sur lesquelles marcher. Et s'ils nous défient encore, je les recouperai en deux et qu'ils soient condamnés à marcher à cloche-pied. Les méchants ont Dieu. Fais attention à toi, Socrate. Zeus fit ce qu'il avait dit. Il coupa tous les hommes en deux. Après cela, il les confia à Apollon pour réparer un peu les dégâts. Apollon retourna le visage de l'homme du côté de la coupure. Puis, à l'endroit du ventre, il ramassa toute la peau et la lia bien fort au milieu, comme avec une bourse à cordon. Cela faisait un nombril. Ainsi, ayant sous les yeux la cicatrice de son ancienne coupure, l'homme se souviendrait de la punition subie et se montrerait plus modeste. Une fois les hommes dédoublés, chacun d'eux ne pensait plus qu'à une chose, retrouver sa moitié. Et quand il la retrouvait, il l'embrassait, il l'enlaçait, brûlant du désir de se fondre avec elle. À se nourrir ni à faire quoi que ce soit pour vivre. Et la race des hommes s'éteignait peu à peu. Pitié voulut remédier à ce mal. Il fit transporter sur le devant, en bas du ventre, le sexe que les hommes avaient par derrière. Et s'il le fit mettre là, c'est pour permettre aux êtres humains d'engendrer par eux-mêmes. En effet, au même moment, Zeus établit le mode de reproduction que nous connaissons aujourd'hui. Les mâles ne confieraient plus leurs semences à la terre, mais enfonceraient dans la femelle. Ainsi, quand un homme s'unit à une femme, il peut satisfaire son amour tout en assurant la survie de l'espèce. Vous savez à présent pourquoi les êtres humains aiment avec une telle passion d'autres hommes ou d'autres femmes. Coupés en deux comme des limandes et devenus des fragments d'être, nous passons toute notre vie à rechercher notre première nature. Eh bien, imaginez l'amour d'un être qui a le bonheur d'avoir trouvé sa moitié. Il ne voudra plus s'en séparer, mais passer sa vie avec elle. Regardez-les, ils sont l'un contre l'autre, couchés dans le même lit. Héphaïstos, le dieu forgeron, s'approche d'eux et leur demande s'ils désirent être soudés l'un à l'autre pour ne former plus qu'un. Ils accepteraient aussitôt, car ils reconnaîtraient en ce vœu le désir qu'ils n'osent s'avouer à eux-mêmes, le désir de se confondre avec l'être aimé. Comprenez-vous à présent ce qu'est la force de l'amour? Elle vient de la nostalgie de notre ancienne nature. Honorons l'amour autant que nous pouvons, sinon nous serons encore une fois coupés, comme ces personnages des bas-reliefs. Mais si nous savons gagner la faveur de l'amour, alors nous finirons par retrouver nos vraies moitiés. Non, non, Eryximaque, ne te moque pas de moi. Ce n'est pas de Pausanias et d'Agathon que je parle. Non, eux, au moins, c'est sûr qu'ils viennent d'un mâle. Je veux parler de toute l'espèce humaine, de tous les hommes ensemble, qui ne connaîtront pas le bonheur avant d'avoir retrouvé par la force de l'amour leur plus ancienne nature. Voilà, Eryximaque, c'est tout ce que je voulais dire sur l'amour dans un genre différent de toi. Je t'en prie, ne tombe pas ça en ridicule, mais écoutons plutôt les autres. Non, c'est bien. Ce que tu as dit m'a plu. Et si je ne connaissais pas les talents d'Agathon et de Socrate en matière d'amour, je craindrais fort pour eux qu'ils ne sachent que dire après de si beaux discours. Mais je leur fais confiance. Ah, tu t'en es bien tiré, toi, Eryximaque. Mais mettez-vous un peu à ma place maintenant. Quand je vais avoir à parler après le magnifique discours d'Agathon.
Je suis sûr que tu tremblerais de peur. C'est un cadeau empoisonné, Socrate. Tu veux me troubler en me faisant croire que vous attendez tout ce que je parle? Non. Je me souviens seulement d'hier, quand tu es monté sur le théâtre pour présenter ta tragédie, que tu as regardé le public en face. J'ai pu admirer ton orgueil, ta fierté. Tu ne vas pas te laisser intimider par un petit groupe comme nous. Socrate, Socrate. Crois-tu que mon succès au théâtre me grise à ce point? Crois-tu que j'ignore qu'une petite élite d'hommes intelligents est plus à craindre qu'une foule d'imbéciles? Non. Non, je ne te crois pas capable d'une telle faute de goût, je veux dire seulement. Je sais que tu es capable, que tu préfères le jugement de l'élite au jugement de la foule, mais nous, est-ce que nous en faisons partie de cette élite parce que nous tous, nous étions au milieu de la foule des imbéciles hier? Alors je te demande seulement une question. Ne préfères-tu pas le jugement des gens intelligents? En effet. Plus que celui de la foule. Mon cher Agathon, si tu commences à répondre à Socrate, nous n'en avons pas fini. Lui, rien ne l'arrête dès qu'il a quelqu'un avec qui discuter. Surtout s'il s'agit d'un beau garçon. Comprenez-moi. J'ai beaucoup écouté discuter Socrate. Et je dois veiller à ce que l'amour soit glorifié par chacun de vous. Agathon et Socrate, payez à l'amour le tribut que vous lui devez. Vous discuterez après. Tu as raison, Phèdre. Je dois parler à présent. Et toi, Socrate? On verra ça une autre fois. Oui. Vous êtes contenté de montrer quelle chance avaient les hommes de recevoir tous les biens que leur donnait Eros. Mais vous n'avez pas expliqué ce qu'il était. Je vais donc commencer par là. Ensuite seulement, j'évoquerai les bienfaits. Il me semble être difficile de faire autrement. Ainsi, parmi tous les dieux qui sont heureux, et cela dit, sans vexer les autres, Eros est le plus heureux. Oui. Car il est le plus beau et le plus jeune. Continue ton récit. Donc, c'était le tour d'Agathon. Oui, il a commencé par critiquer ce que les autres avaient dit. Oh! C'est une vieille blessure de guerre, oui. Oh, mon pauvre. Enfin. Agathon le reprochait de trop parler des bienfaits de l'amour et pas assez du dieu lui-même. Oula! Ouh! J'ai mal. On va boire un petit verre. Pourquoi pas un grand verre? Agathon, au contraire, a commencé par leur dire ce qu'était l'amour. C'est le dieu le plus jeune, le plus beau, le plus délicat, trop léger pour mettre le pied à terre. Tiens, j'ai trop parlé aujourd'hui. Allez, masse-moi un peu. Masse. Ah, oui. Ah ben, tes mains me font du bien, tu sais que le con. Ah, comme ça, tu restes là. Où j'en étais? Ah oui, l'amour. L'amour trop fluide. Trop fluide pour habiter ailleurs que dans les âmes. L'amour. L'amour qui a toutes les vertus. Tu remarques la construction parfaite du discours d'Agathon. La nature de l'amour, d'abord, puis ensuite ses qualités. L'amour est juste, bon, généreux, tempérant, puis on oublie. Puis enfin, en dernier lieu, c'est ses qualités, ses pouvoirs. L'amour fait vivre les mortels. Il inspire les poètes, il donne la paix aux hommes, il calme la mer, père des hommes, des dieux, de notre soutien, notre gloire. Et puis tu sais comment, Agathon a maçonné son style, surtout qu'il avait eu la veille ce prix de tragédie. Alors, tout le monde a applaudi, c'était un beau discours, digne d'Agathon, digne d'amour, mais Socrate était furieux. Furieux. Et quand la nécessité et le besoin n'ont plus fait loi, Grâce à la naissance d'Eros, l'amour du beau a mené toutes sortes de biens. En un mot, Phèdre, Eros est le plus beau et le meilleur de tous les dieux. Et ses qualités, il les transmet à ceux qui l'entourent. Il y aurait beaucoup à dire encore. Mais voilà, dit avec plus ou moins de sérieux, le plus important.
T'as compris, Éric Simac, maintenant, pourquoi j'avais peur? Tu as entendu le discours d'Agathon et ses dernières phrases, surtout, quelle beauté! Si j'avais su me cacher! En plus, maintenant, je vois bien que je ne sais pas faire un éloge. Je vous ai entendus tous. Et je vous ai vu louer l'amour en lui attribuant toutes les qualités au superlatif, alors que moi, je croyais que c'était simplement les citer par ordre d'importance. Et je me croyais assez fin pour y arriver. Mais là, maintenant, je me sens absolument dégagé de mon serment. Je ne veux pas être ridicule et parler comme vous. Cependant, Faible, si tu veux bien, je peux parler de l'amour. Mais avec mes expressions, avec les façons dont elles sortiront de ma bouche. Parle, Socrate. Parle à ta façon. Alors, si tu le permets, Faible, pour commencer, je voudrais poser deux ou trois petites questions à Agathon. Agathon, j'ai beaucoup aimé le début de ton discours, en disant qu'avant de parler de l'amour, il fallait d'abord définir sa nature. Bien. Et à ce propos, je vais te poser une question. Dis-moi, l'amour est-il toujours amour de quelque chose ou de rien? Je m'explique. Si je te demandais, un père est-il le père de quelqu'un? Que répondrais-tu? Je dirais qu'il est le père de son enfant. Bon, et pour te montrer où je veux en venir, je vais te demander encore autre chose. Dis-moi, d'un frère, dit-on qu'il est le frère de quelqu'un ou non? Qu'il est le frère de son frère ou de sa sœur? Alors l'amour, est-il toujours l'amour de quelque chose ou amour de rien? Oui, bien sûr. L'amour est l'amour de belles choses. Oh, ce qu'on désire, on ne le possède pas, donc. Si l'amour désire les belles choses, c'est qu'il ne les a pas. S'il ne les a pas, c'est qu'il n'est pas beau. Et toi, tu n'as pas cessé de dire pendant tout ton discours que l'amour était le plus beau de tous les dieux. Oui, tu as raison, j'ai dû parler un peu vite. Mais tu es d'accord pour admettre que l'amour désire ce qu'il n'a pas. L'amour aime ce qu'il n'a pas. Oui, apparemment. Socrate, je ne rêverais pas de contredire. Qu'il en soit comme tu dis. Apparemment. Nécessairement, tu veux dire. Sache que c'est la vérité que tu n'arrives pas à contredire. Contredire Socrate, c'est facile. Mais je te laisse tranquille, remets-toi. C'est beau l'acropole sous le soleil, non? Mais c'est magnifique, magnifique. On va faire un petit résumé du banquet. Allez, marche. Est-ce qu'il est lourd, mon Socrate? Tu te souviens des discours? Bien sûr. Mon chapeau, tu l'aimes vraiment pas. Alors, d'abord, il y a eu Phèdre. Phèdre a dit que l'amour crée en nous la vertu. Puis, Pausanias. Pausanias a parlé de l'amour qui existe entre les hommes et qui les rend dignes de leur liberté. Puis, Eryximaque. Éric Simac a expliqué que l'amour était cette force première qui crée l'harmonie en tout. Pour Aristophane, l'amour est ce désir aveugle qui cherche la part de lui-même à jamais perdu. Agathon l'a fait parler de sa beauté. Restez Socrate. Il était le dernier à parler. Thank you.
Mais elle me critiquait. Car je me trompais en croyant que l'amour est beau. Yotim, l'amour est un grand dieu. L'amour est un dieu beau et bon. Non, l'amour n'est pas beau. L'amour n'est pas bon. Que veux-tu dire, Yotim ? Serait-il laid ? Me ferait-il du mal ? Pas de blasphème. Il n'est ni bon, ni beau, ni laid non plus. Il ne fait pas de mal. Non. Sache, Socrate, que l'amour est entre les deux. Il n'est ni beau, ni laid. Il n'est ni bien, ni mal. Pourtant, tout le monde reconnaît que l'amour est un grand dieu. Un grand dieu? Personne ne dirait même qu'il est un dieu. Surtout pas toi, ni moi. Explique-toi, je ne te comprends pas. Si l'amour était un dieu, il serait le plus heureux de tous les dieux, comblé de tous les biens du monde. Or, l'amour ne possède ni le beau, ni le bien. L'amour ne fait que désirer le beau et le bien. Alors l'amour serait un homme comme nous, un mortel? Non, pas du tout. C'est un grand démon, grand et bienfaisant. L'amour, un démon bienfaisant. Et quels sont ses pouvoirs? Il est le messager des dieux et des hommes. De plus, l'amour est une force cosmique. Il comble le vide et il unit le monde à lui-même. Mais dis-moi, de type, d'où vient l'amour? Qui a pu l'engendrer? C'est une longue histoire, Socrate. Écoute. Pour fêter la naissance d'Aphrodite, déesse de la beauté, les dieux décidèrent d'un banquet. Le dieu ressource, fils d'intelligence, était parmi eux. Et lui s'abreuva de nectar en abondance. Le vin n'était pas encore connu. Puis il pénétra dans les vergers de Zeus. Et là, alourdi par l'ivresse, tomba et s'endormit. Lui-même, devant les portes, Pénia, déesse de l'indigence, patientait. Elle venait mendier les restes du repas. Quand elle vit le dieu qui dormait, grisé, elle eut l'idée d'avoir un enfant avec lui. Elle vint reposer à ses côtés et fut, dès ce moment, enceinte d'amour. Voilà pourquoi Amour, qui vint au monde le jour même, naquit Aphrodite, est de nature amoureux du beau. Amour est donc enfant de pauvreté, et c'est pourquoi il reste pauvre à jamais, donc il n'est ni délicat, ni beau, comme on l'imagine le plus souvent. Non, il est rugueux, âpre et va-nu-pied. Amour n'habite nulle part, dort par terre, contre les portes, au bord des routes. Mais il est vrai qu'Amour ressemble à son père aussi. Il est plein de courage sur le qui-vive. Alors c'est un fabuleux chasseur. Sache en plus qu'il est passionné de penser, qu'il a l'esprit d'un philosophe, que c'est un magicien ou un sophiste. Le même jour, il peut déborder de vie et puis mourir. L'amour peut tout conquérir. Il peut tout consumer. Ce qu'avec tant de mal il gagne, de toute façon, il le perdra. Il ne lui restera jamais rien. Et dis-moi, Dieu-t-il, pourquoi dis-tu que l'amour est philosophe ? C'est que la sagesse est la plus grande et la plus belle chose. L'amour est de par sa nature, uniquement l'amour du beau. Un grand démon. Voilà pourquoi l'amour est philosophe. Il est le désir de sagesse. Un grand et bienfaisant. Entre son père, dieu de savoir et de ressources, et sa mère, ignorante et pauvre. Tu pensais qu'amour était bel et bon, délicat, parfait, admirable. Tu pensais sans doute qu'amour était l'objet aimé. Mais non. L'amour, ce n'est rien d'autre que l'amoureux.
C'est l'aspiration absolue vers le beau, impatiente, avide, sans cesse privée de beauté, privée de grâce. Dis-moi, étrangère, toi dont les discours sont si beaux, quel bien l'amour fait-il aux hommes? Les hommes ne désirent-ils pas tous le bonheur et la beauté? Ce désir si véhément, c'est la force de l'amour impérieux, rusé, séducteur. Toute l'aspiration au bien mériterait le nom d'amour. Mais les vrais amants, que désirent-ils? On a prétendu parfois que ce qu'ils aiment, c'est eux-mêmes, la moitié dont ils sont séparés, par nostalgie du tout qu'ils formaient avec elles-mêmes. Ce n'est pas vrai, cela. Non, les hommes n'ont pas le désir d'eux-mêmes, jamais. Regarde comme ils sont prêts à se faire couper les mains et les pieds lorsqu'ils savent que cela sauvera leur vie. Le désir le plus vrai de l'homme dans ce monde, c'est le bien. Mais cette passion, cette ardeur à posséder le bien, quelle œuvre doit-elle produire? L'œuvre de l'amour, Socrate, c'est un enfantement. C'est d'enfanter dans la beauté, avec son corps, avec son âme. Il n'est pas un être humain, Socrate, qui n'éprouve le désir d'être fécondé dans son corps comme dans son âme. Il est un moment dans la vie où notre nature propre ressent le désir d'enfanter. Or, cet enfantement, il n'est possible que dans le beau. L'union de l'homme et de la femme est un enfantement de beauté qui recèle quelque chose de divin. Quand l'être, pressé d'engendrer, s'approche de la beauté, il sent un apaisement délicieux. Et tout épanoui, il enfante et procrée. Mais s'il se heurte à la laideur, il devient sombre et triste. Il se détourne, se rétracte, impuissant, incapable d'enfanter. Faire un enfant, Socrate, c'est le seul moyen, la plus belle façon pour l'être humain d'accéder à l'immortalité. Regarde, regarde, Socrate, la force terrible du désir que toutes les bêtes ressentent quand elles veulent engendrer. Ce qui les pousse ainsi, c'est l'ardent désir d'immortaliser la vie de l'espèce, de perpétuellement laisser un être nouveau à la place de l'ancien. Ne t'étonne pas si les hommes chérissent si fort l'enfant issu de leur chair. En réalité, c'est leur propre immortalité qu'ils aiment. Guillotine ! Guillotine ! Tu connais aussi Guillotine ! L'ambition des hommes. Penses-tu qu'Alceste serait morte à la place de son époux et qu'Achille le bien-aimé aurait voulu avec passion, au prix de sa propre mort, venger la perte de son ami Patrocle s'il n'avait eu l'espoir d'obtenir ainsi l'immortalité ? Que certains hommes sentent en eux-mêmes une autre fécondité, plus grande encore que celle du corps. C'est la fécondité de l'âme qui enfante la pensée, la poésie et la plus belle des vertus, la justice. Quand le moment venu, l'homme amoureux ressent en lui le désir d'enfanter, il s'attache tout d'abord aux corps les plus beaux. Au contact de l'être aimé, il se sent tout gonflé de ressources et se répand en paroles. C'est là qu'il commence à instruire son amour et enfante avec lui tout ce dont, depuis longtemps, il se sent fécond déjà. Il va de soi que de telles amants sont liées par une incomparable intimité infiniment plus étroite que peut l'être celle d'un père et d'une mère, car ils jouissent d'enfants plus beaux et plus impérissables que des enfants mortels. Je t'apprends là, Socrate, les mystères de l'amour.
l'initiation parfaite de l'amour et sa révélation. Je ne sais si tu pourras t'en approcher. Cependant, je t'en parlerai avec la même ferveur. Écoute, tu rechercheras d'abord les corps les plus beaux, qui inspirent les plus belles paroles à tous les amoureux. Mais ensuite, très vite, tu comprendras que la beauté d'un corps mortel, en tout point, est semblable à celle d'un autre corps mortel. Tu t'exerceras à aimer dans sa forme la beauté et à calmer le désir irrépressible éprouvé pour la seule beauté mortelle. Enfin, tu découvriras que la beauté des âmes est plus précieuse que celle des corps. Tu comprendras une nouvelle fois que dans le corps, dans l'âme et dans les lois vit la même forme de beauté. Tu connaîtras ainsi toute la beauté du savoir, contemplant sans cesse l'océan de la beauté, délivré enfin d'un vil esclavage, tu sentiras en toi monter les discours les plus magnifiques et une insatiable passion de savoir. Lorsque ton âme aura puisé sa vie dans cette beauté, là tu découvriras une chose vraiment unique, la connaissance du beau. Quand par une juste conception de l'amour des jeunes gens, tu auras contemplé les formes multiples de la beauté, alors tu seras presque au terme de l'initiation. Tu auras devant toi l'éternelle beauté, sans naissance et sans mort, une beauté absolue qui ne s'altère jamais. Voici le moment de la vie qui vaut d'être vécu. S'il t'est donné un jour de contempler la pure beauté, elle ne sera pas comparable avec la grâce de ces jeunes corps qui à présent te mets hors de toi-même. Peux-tu imaginer les sentiments d'un homme qui découvrirait une beauté affranchie des chairs, des couleurs et des charmes de la vie mortelle? Celui qui enfantera dans la beauté de l'âme sera l'ami des dieux. Pour accéder à un tel bien, le meilleur guide, c'est l'amour. Sache que tout le monde a applaudi Socrate, même si Aristophane a protesté violemment. Soudain, il y a eu un brouhaha à la porte, suivi d'une musique de flûte, et puis enfin la voix d'un cyclade, manifestement ivre. Oui, c'est une belle mélodie. Un vieux figuier qui produit des figues petites, juteuses, délicieuses. On les a mangées. Tiens, on est presque arrivé. C'est comme ça qu'Alcibiade est entré au banquet? Non, déjà à ce moment-là, Alcibiade n'était plus nommé de Socrate. Sa démesure ne lui a pas porté chance. Il a insulté les dieux, trahi sa cité, j'en passe. On a dit... Et on dit encore que Socrate corrompait Alcibiade. C'est faux. Alcibiade était mauvais et Socrate n'y pouvait rien. Je veux voir Agathon. Où est Agathon? Agathon, où est Agathon? Je veux voir Agathon. Salut mes amis. Tiens, 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 Alcibiade. Admettrez-vous à votre table un homme ivre, mais alors complètement ivre? En faudra-t-il que je me sauve après avoir posé ma couronne sur la tête d'Agathon? Non! Puisque je suis venu pour cela. Regardez, toutes ces bandelettes sont pour l'homme que je proclame aujourd'hui le plus sage, le plus beau. Très beau tissu, Alcibiade. Agathon, je vais détruire ton frère! Vous riez, les gars, riez. C'est la vérité que je dis. Eh bien, puis-je boire avec vous? Bon. Esclave, enlève-lui ses chaussures et installe-toi. Je veux bien. Comme ça, nous serons trois sur le même lit. Mais au fait, quel est le troisième? Que se passe-t-il? Socrate, toi ici, c'est encore un de tes pièges.
C'est pourtant bien ton habitude d'apparaître soudain là où je t'attends le moins. Qu'est-ce que tu là? Et pourquoi es-tu sur le lit d'Agathon? Pourquoi pas à côté d'Aristophane, de n'importe quel bouffon? Non, il a fallu que tu t'installes à côté du plus beau garçon d'asseoir. Aide-moi, Agathon, aide-moi, viens au secours. Depuis que je me suis mis à aimer Alcibiade, je ne peux plus fréquenter personne. Surtout pas les beaux garçons. Il me fait des scènes, il est jaloux, il va jusqu'à me frapper. Réconcilie-moi avec lui. Ou pour ma défense, son amour me fait trembler. Non, pas de ça. Pas de réconciliation possible entre toi et moi. En attendant, Agathon, rends-moi quelques bandelettes pour que j'en couronne aussi la tête de cet homme merveilleux. Car lui, c'est tous les jours qu'il remporte de belles victoires. Écoute, avant que tu arrives, nous avons tous prononcé un éloge d'amour. Et toi, tu n'as fait que boire et tu n'as encore rien dit. C'est donc à ton tour de parler, mon cher Alcibiade. Non, Agathon, ce n'est pas juste. Je ne peux pas concourir avec vous alors que vous étiez sobre et moi complètement saoul. Fais attention. Si je fais la louange de quelqu'un d'autre devant Socrate, mon Dieu, il va me frapper. Je vais te taire, Alcibiade. Ne te blâme pas. Je ne louerai personne d'autre que toi en ta présence. Eh bien, dans ce cas... Attends d'ici, ciel. Fais l'éloge de Socrate. Qu'est-ce qu'il te dit dans la tête? Tu vas encore te moquer de moi? Non. C'est pour dire la vérité. Si je mens, coupe-moi la parole. Et ne t'étonne pas si je me perds dans mes souvenirs. Arriver à décrire un être aussi incroyable que toi, ça n'est vraiment pas très facile. Écoutez-moi tous. Pour faire l'éloge de Socrate, messieurs, je vais me servir d'une image. Ce n'est pas pour le rendre ridicule, non, c'est pour vous dire la vérité. Socrate est tout à fait pareil à ces statuettes de satyre que les sculpteurs représentent nues ou poilues, une flûte à la main. Ces statuettes sont disgracieuses, mais elles peuvent s'ouvrir. Et à l'intérieur, on trouve les plus belles images de Dieu. À te voir, tu as vraiment l'allure d'un satyre. Tu as aussi leur insolence. Non? Tu n'es pas d'accord? Je produirai des témoins. Tu ne joues pas de flûte non plus, en effet, mais tu es un enchanteur infiniment plus redoutable, car tu n'as pas besoin d'instrument pour jouer tes mélodies. Les mots qui sortent de ta bouche suffisent à charmer les hommes. Si à chaque fois qu'on t'écoute, on est complètement capturé, remué, bouleversé, parce que tes paroles sont des paroles divines. Réveille-toi. Je vais vous raconter ce que j'ai éprouvé. Ce que j'éprouve encore quand j'entends parler cet homme. Tant pis si j'ai l'air complètement sous. Chaque fois que je l'écoute, mon cœur bat si fort que j'en tremble. Je me mets à pleurer. Je me sens devenir fou. Je me dis que je ne peux pas vivre comme je vis. Ouais. Socrate, c'est vrai. Tu me forceras à reconnaître que je ne recherche que les honneurs de la foule au lieu de soigner mon âme. Mais tu sais, au point que quand tu commences à parler, il faut que je me bouche les oreilles à toutes jambes. Sinon, je serais encore prisonnier de ton chant de sirène. Je passerai toute ma vie à vieillir à tes côtés. Alcibiade n'avait aucun scrupule à raconter là, au banquet, devant tous les autres, sa nuit passée avec Socrate. Il faut dire qu'il était ivre et n'arrivait plus à s'arrêter de parler. Alors cette nuit-là, Alcibiade aurait fait une vraie déclaration à Socrate. Il disait que Socrate était le seul amant digne de lui et qu'il voulait vivre à ses côtés pour améliorer son âme. Mais Socrate lui a répondu qu'en aucun cas, on ne pouvait échanger la beauté d'un corps contre celle de l'âme. Et que personne, jamais, ne pouvait échanger le bronze contre... Oh ! Il s'ennuie, il faut le dire, hein. J'arrête. On lui racontait comment l'endurance de Socrate à la guerre dépassait toute mesure humaine. Socrate pouvait résister à tout, au froid, à la faim, à la souffrance, au vin même. On n'a jamais vu ivre, lui, sans parler de son courage.
Si vous voulez comprendre ce qui s'est passé ensuite, sachez qu'à ce moment-là, j'étais mordu. Mordu, et au cœur, à l'âme, par une morsure plus douloureuse que celle d'une vipère. Quand les discours philosophiques se sont emparés d'une âme jeune, ils peuvent la tenir plus cruellement encore qu'un poison. Lui faire dire n'importe quoi! Je me sens moins gêné de vous parler de tout ça parce que je sais que certains d'entre vous ont connu la même chose. Fred? Agathe? Eric Simba? Osanias? Aristophane? Aristodème? Et toi, Socrate, oui. Tu nous as transmis la fureur de ton amour pour la philosophie. Je vous dis que Socrate est unique, même s'il ressemble à un satyre. Dans sa façon de parler aussi, il a toujours l'air de dire des choses banales et on se moque de ce qu'il raconte. Mais si on ouvrait chacun de ses propos, on y découvrirait une lumière divine éclatante de vertu. Voilà. J'arrête là mon éloge. Vous savez maintenant ce qu'il me fait. À moi et à d'autres aussi. Il trompe les jeunes gens. Il prend l'air d'être amoureux d'eux et ensuite il fait comme s'il était lui, leur ami. Et c'est à eux d'essayer de le séduire. Fais attention, Agathon. Instruis-toi de mes malheurs pour ne pas tomber dans le même piège. Au moins, Alcibiade était franc. C'est clair qu'il était encore amoureux de Socrate. Attention ! C'est pas si ivre que ça, Alcibiade, sinon tu n'aurais pas pris tous ces détours pour me cacher où tu voulais en venir. Hein ? En fait, je sais pourquoi tu as inventé cette histoire de satire. C'est pour me brouiller avec Agathon. Tu considères que je ne dois aimer que toi, mais que tu es le seul à pouvoir séduire Agathon. Hein? Mais il n'y a aucune chance que tu arrives à tes fins, et toi, ne le laisse pas nous séparer quand même. Tu as raison, Socrate. Décidément, tu ne m'épargnes rien. Tu veux toujours être le plus fort. Laisse-moi Agathon entre nous. Tu viens de faire mon éloge. Et moi, j'ai furieusement envie de faire l'éloge d'Agathon. Tu ne dois pas être jaloux. Mon cher ami, vois-tu, c'est une obligation pour moi d'être auprès de Socrate. Il souhaite faire mon éloge. Oui, voilà, c'est toujours pareil avec Socrate. Il y en a que pour les beaux garçons. Vous avez vu comment il s'y est pris pour être couché près d'Agathon. C'est le plus bel acte qui soit. Renonçant aux amours, assister dans la chair, par l'amour charnel, et cultivons l'amour de la beauté céleste. Aïximaque, Phèdre et quelques autres étaient partis. Aristodème s'est endormi, puis s'est réveillé quelques heures après. Seuls Agathon, Aristophane et Socrate étaient encore réveillés. Aristodème ne se souvient plus très bien ce qu'il se disait, mais il lui semble que Socrate essayait de le convaincre que le même homme pouvait à la fois écrire la meilleure tragédie et la meilleure comédie. Mais il est remarquable qu'Agathon, l'auteur tragique, et Aristophane, le comique, admettent une pareille chose. En tout cas, il s'est fait faire par Socrate, il ne comprenait pas tout ce qu'il disait, puis il laissait un peu leur tête tomber. Aristophane s'est endormi le premier, et puis Agathon, quand le jour apparaissait. Timon ! Salut Apollodore ! Salut Glaucon. Salut Timon. Voilà. Je te racontais toute l'histoire du banquet. J'ai beaucoup parlé de Socrate. Hein, parce que j'aime Socrate. Mais Glaucon, la prochaine fois, c'est toi qui me raconterais l'histoire. Hein? J'ai passé une bonne journée, Apollodore. Tu racontes de belles histoires. Je te salue. Salut Glaucon. Salut à Apollodore.
je sais d'où ça vient, cette force et cette indépendance chez Socrate. À chaque instant, il se demande si ce qu'il fait est bien conforme à la vertu. C'est ça, la philosophie de Socrate, cet examen de tous les moments de sa vie. C'est ça qui peut libérer l'homme de l'asservissement au corps et au désir. Tu m'as toujours pas dit ça. Stop!